Donc voilà, ça enregistre. Est-ce que tu me vois bien? Tu m'entends bien? Oui, Ouais. Prête à l'aventure? prête à l'aventure. Bon. Des questions? Non. Non. Prête à découvrir? Prête à découvrir, Bon. voilà. Peut-être à devenir une grande artiste Tout à fait. internationale? Tout à fait. Bon. Tu es bien assise? Tu me vois bien? Oui. Ouais. Ok. Donc. Alors, je tiens aussi à faire une petite précision, c'est qu'on ne se connaît pas du tout. On n'a jamais fait d'hypnose ensemble, on n'a jamais discuté auparavant. Tu ne sais pas ce qui va se passer non plus. Non. Et puis, à la fin de la vidéo, il y aura le témoignage, bien évidemment. Donc, le témoignage qui est toujours important dans ce genre d'expérience. Et je D'accord. tiens à préciser aussi, comme je le dis toujours, mais qu'il n'y a pas de test avant. Il n'y a pas de pré-talk ou il n'y a pas de préparation. C'est du sans fil. Bon. Prête à voyager? Allez, hop, on y va. Ok, donc tu vas prendre une grande inspiration. Tu vas te détendre totalement. Voilà. Tu vas prendre ta main droite. La main droite et tu vas la mettre face caméra. Voilà. Et tu vas penser un souvenir que tu as vachement apprécié ces dernières années, un souvenir particulier, un très bon souvenir positif. Quand tu l'as, tu me le dis. Je l'ai. Okay. Tu vas pouvoir te rendre compte que dans quelques instants, pendant que tu penses à ce souvenir, les paupières vont commencer à devenir de plus en plus lourdes. Pendant que cette main progressivement va se tourner. Toi, tu continues à penser à ce souvenir. Peut-être même qu'à l'instant même, quelques secondes, peut-être même avant, tu as déjà senti une forme d'énergie. Comme quelque chose qui se passe à travers tout le corps, qui commence à t'embarquer de plus en plus. Et cette main va progressivement mais sûrement se tourner vers toi, naturellement, de plus en plus vite. Tout le corps va se mettre à se ralentir, la respiration va se ralentir. Et la main progressivement se tourne. Les paupières, les yeux deviennent de plus en plus hermétiques et hermétiquement fermés. Et cette main va se diriger vers le visage. Tout se fait naturellement, de plus en plus vite. Cette main est là un peu pour rassurer, pour te dire que c'est ok. Plus tu bailles, plus cet état s'approfondit encore plus. Et tout se fait naturellement. Maintenant, cette main va se rapprocher du visage, pendant que le corps devient de plus en plus lourd. De plus en plus profond, cette transe s'approfondit. Et au moment que cette main touche le visage, la transe s'approfondit 10 fois plus profondément. Et comme pour rassurer, pour dire que c'est ok. Et maintenant, 10 fois plus profondément. De plus en plus lourd. Naturellement, cette main va commencer à redescendre. Plus cette main redescend, plus cet état continue de s'approfondir. Chaque bâillement approfondit cet état 10 fois plus profondément.
plus en plus agréable. Cette transe devient de plus en plus profonde. Tout se fait naturellement. Et maintenant, je vais faire un décompte. Chaque chiffre va approfondir 10 fois plus profondément cet état, sain et paisible. Cinq, quatre, trois, un, maintenant, 10 fois plus profondément. Et le corps devient de plus en plus lourd. Et à partir de maintenant, le subconscient prend totalement et intégralement possession de la tête et la tête penche de plus en plus en avant. Maintenant. Subconscient, continue de l'embarquer. Embarque-la le plus loin possible que tu puisses l'embarquer, subconscient. Voilà. De plus en plus agréable. Chaque bâillement approfondit cet état sain et paisible. Subconscient, embarque-la très très loin. Déconnecte-la complètement. Emmène-la dans une transe qu'elle n'a jamais été. Une transe très agréable, très profonde. Montre-lui que tu es bien présent, subconscient. Subconscient, quand tu considéreras que la transe est assez profonde pour pouvoir commencer cette fabuleuse et merveilleuse aventure, tu redresseras totalement la tête, subconscient. Tu peux prendre tout ton temps, subconscient. Si nécessaire, continue à l'emmener encore plus loin. Voilà. Okay. Subconscient, dans quelques instants, tu vas faire appel à des ressources extérieures, afin qu'une partie d'elle, qu'elle ne connaît pas encore, intégralement et totalement possession du corps et de l'esprit, qu'elle ne soit plus que spectatrice de ce qui va se passer. Quand ça sera bon, subconscient, quand cette partie venue d'ailleurs, cette partie artistique qui aime la guitare, sera prête. À ce moment-là, subconscient, progressivement, elle prendra intégralement possession du corps et de l'esprit. Rizovata sera uniquement spectatrice de ce qui va se passer. Dans quelques instants, les paupières vont se rouvrir, les yeux aussi. Même moi, je ne serai plus présent. Il n'y aura plus que la guitare et l'envie de jouer. De jouer quelque chose qu'elle n'a jamais joué auparavant. Tout se fait naturellement. Thank you.
Je vais faire un décompte et j'aimerais qu'une partie supérieure reprenne le dessus et que ça devienne plus fluide. Et ne vous occupez pas surtout du conscient. C'est uniquement la partie supérieure qui reprenne le dessus à mon décompte. 3, 2, 1, maintenant. Intégration, pouvoir se refaire afin d'intégrer totalement et revenir ici et maintenant dans quelques instants en pleine conscience. Comment te sens-tu? Ah, je suis bien. C'est une belle expérience. Là, je me sens bien, posée et légère. Qu'est-ce que, par rapport au ressenti, la différence que quand tu es consciente? Là, en fait, j'ai ressenti ce côté
En fait, les doigts se plaçaient beaucoup plus facilement. Voilà. Et puis même à un moment, il y avait un côté où il y avait un peu plus de force au niveau de ma main droite. Et puis voilà, il n'y avait pas à réfléchir à ce qu'il fallait faire comme note. D'accord. Ouais. Tu voyais ce que tu étais en train de faire? Enfin, tu comprenais ou ça se faisait automatiquement? La deuxième fois, ça se faisait automatiquement. En fait, les doigts se passaient, se déplaçaient tout seuls. Et c'est le genre de musique que tu joues, toute C'est seule? le genre de musique que je voulais justement aller plus vite et sans se soucier de la main gauche. Parce que souvent, en fait, j'avais du mal à placer les doigts, mais là, j'arrivais à me placer plus facilement. D'accord. Sans réfléchir. Donc ça t'a donné plus de facilité? Plus de facilité, plus d'assurance aussi pour aller plus pour mieux placer les doigts. Et puis voilà, et puis surtout ce côté droit qui allait beaucoup plus vite au niveau du rythme. Et puis voilà, je pense que maintenant je vais pouvoir me dire, allez, on avance un peu plus, on augmente le volume, comment ils appellent la cadence. Ça fait longtemps que tu joues de la guitare? Ça, j'ai commencé il y a, ouf, il y a mon, il y a, oui, il y a 10 ans, j'avais commencé, après j'avais arrêté. Là, j'ai repris il y a 2, 3 ans, mais c'est des petits cours d'une demi-heure. C'est vrai que j'avais l'impression de ne pas bien avancer. Et dernièrement, j'ai voulu voir avec quelqu'un pour faire un cours individuel qui peut avancer rapidement, mais le problème c'est que comme je suis en train de changer pour mon cabinet, voir si je peux changer de cabinet, plus mes horaires, etc. J'ai pas encore pris le temps de me poser pendant 1 heure et de me dire, allez, on pose ça, je vais faire que de la guitare, parce que l'objectif c'est ça, d'aller plus loin, quoi. Donc là, oui, tu qualifierais cette expérience, qu'est-ce que tu... Ah bah, c'est une très très belle expérience parce que j'avais déjà vu pour le dessin. J'ai trouvé ça super. Et là, je me dis, bah, il faut que j'y aille. Peut-être que je vais avoir ce déclic pour me dire, allez, hop, maintenant tu peux prendre la guitare sans avoir peur et puis gratter la guitare, même si c'est 10 minutes, un quart d'heure. C'est ce qui me manquait. Et je pense que maintenant, je vais pouvoir prendre ce temps pour reprendre la guitare normalement, quoi. Bon, t'hésiteras pas à me faire un retour peut-être dans les semaines, les mois qui vont venir. Peut-être ça va te permettre d'avoir justement D'avoir plus comment ça passait. de facilité à apprendre, plus que ça devienne plus fluide, C'est plus ça. facilement. Peut-être aller sur des terrains que tu Que n'osais j'ai pas aller. Là, ça, tu vois, ça donne envie de reprendre la guitare parce que vraiment, c'est quelque chose que j'avais envie de reprendre. Mais là, je pourrais le faire, oui, dès que je m'assois à un moment de décompression entre 2 séances, ça peut être sympa de s'évader un petit peu. Mais écoute, n'hésite pas à nous faire un retour par la suite, Ah même oui, pour avec grand voir ce que plaisir. tu as. Ouais. Ok. Bon, bah, je te remercie en tout cas Bah de cette c'est moi qui te expérience. remercie et puis je te tiens au courant Ouais, ça avec marche. grand plaisir. Ok. Merci. Bah, merci à toi.